Welcome to Candid Creoles, where we celebrate and elevate Haitian excellence with the intention of changing the narrative about Haiti and all Haitians. Today, we are meeting with Magali Pelissier. Et Magali est connue sous le nom de Gali, le nom d'artiste Gali. Et Magali est licenciée en gestion de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Seville, en Espagne. Et Magali travaille dans le secteur hôtelier depuis plus de 15 ans. Son penchant avoué depuis sa tendre jeunesse pour les arts et la culture la guide vers la peinture et l'écriture, sans penser un jour qu'elle publierait. Magali est l'auteur des ouvrages à succès, « Dis-moi comment recevoir », et d'une rubrique sur les convenances dans les journaux Le Matin et Ticket Magazine. Magali publie son 7e livre dont le titre est « La mère, patrie, chérie ». Et depuis lors, Magali a écrit 9 livres, c'est ça? 9 livres, j'ai écrit 2 autres livres. Un livre dans la collection « Dis-moi comment recevoir » et un autre roman qui s'appelle « Les limites de l'infini ». Oh, d'accord. OK. Donc, on va en parler. Et dans les tiroirs de Gali se trouvent entassés ces trésors qu'elle se réserve de dévoiler au moment opportun. Le partage fait partie de son essence. Blanchir des nuits à peaufiner ses œuvres est l'une des étapes passionnantes du travail qu'elle réalise. Grande admiratrice des révolutionnaires de l'époque contemporaine, son grand rêve est qu'un jour naisse le grand éveil qui sensibilise une nation vers l'émancipation pour donner d'eau à l'obscurantisme. À cet effet, le sens du mythe de Prométhée, j'ai dit ça en anglais, Prométhée, et d'Épiméthée est clair. L'homme n'est rien par nature, il n'existe que par la culture. Donc, la connaissance est l'un des phares qui guide le monde. Et comme l'amour en est un autre, ces deux éléments peuvent aider à chasser l'animal de l'homme pour lui donner la dimension humaine. Et c'est alors que notre petit coin de terre, comme un superbe papillon, sortira de sa chrysalide. Bienvenue Magali, c'est vraiment beau, j'adore cette introduction. C'est vraiment beau. Je te remercie Isabelle. Et c'est un honneur pour moi d'être invitée à Candide. Et puis, j'adore que tu adores l'introduction. Ça, c'est très bien. Donc, tout va très bien. Donc, on va commencer et j'aimerais parler de toi personnellement. Et donc, tu es née en Haïti? Je suis née en Haïti. J'ai laissé Haïti pour mes études universitaires. Mais comme à cette époque, on avait encore l'amour, et on a encore l'amour du pays, oui. Mais c'était très normal que l'on revienne dans ce pays, à mon époque. Donc, c'est pour ça que mes études universitaires, je suis revenue en Haïti pour 2 ans plus tard, trouver la fameuse dégringolade du départ des Duvaliers qui va mener ce pays à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça a commencé depuis l'année 86. Oui, ça a commencé en 86, ça a commencé avec le déchoucage qui a changé pour ce qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, le peuple souffre et malheureusement. Donc, et quand tu as tes études, tu as été à Séville en Espagne, c'est cela que tu as fait toutes tes études? Au fait, j'ai passé un an à Madrid, j'ai étudié l'espagnol. Mais quand il me fallait rentrer à l'université, c'était plus difficile Madrid. Alors là, comme j'avais déjà de la famille à Séville, donc j'ai été trouver ma famille, je suis rentrée à l'université et j'ai fait toutes mes études à Séville en Andalousie. D'accord. Et puis après, tu es revenue en Haïti. Après, je suis revenue en Haïti. Okay. Une fois diplômée. Et tu es écrivaine et tu es une artiste peintre, d'accord? Donc, qui t'a influencée dans ton art? Dans mon art, je peux dire toute petite, j'aimais, au fait, dessiner.
c'était un peu ma passion. Mais l'art, je peux dire, s'est propulsé en moi parce que je m'amusais. L'art s'est propulsé vraiment quand j'ai raté un examen de gestion. Donc, j'ai dû passer 6 mois en plus en Espagne pour repasser l'examen. Et un seul examen en 6 mois, donc j'avais du temps à revendre. Et c'est comme ça, comme j'habitais avec des artistes et j'habitais à côté de la faculté des beaux-arts, les filles m'entraînaient et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme ça que finalement, je suis encore retombée d'amour pour la peinture et le dessin que, au fait, que je chérissais dans mon cœur depuis longtemps. Et une fois revenue en Haïti, je me suis mise à l'ENARS. Et c'est comme ça que j'ai continué. OK. Mais l'écriture est venue avant l'art, malgré tout ça. Oh, donc l'écriture est venue avant l'art? Non. Avant même de faire ma première exposition, il y a seulement 4 ans, il y a plus de 20 ans, au fait, j'ai commencé à écrire en 2006, mais j'écris depuis 2004 parce que j'écrivais pour les journaux. Donc, en 2006, j'ai publié mon premier livre. Donc, c'est pour ça que je dis que malgré tout mon amour pour l'art, j'ai dû laisser l'art parce que l'écriture avait carrément pris une place et elle s'était tellement imposée qu'il fallait sortir quelque chose. C'est comme un accouchement. Il fallait sortir quelque chose et de là étant, j'ai été prise par le train. Il fallait toujours produire pour toujours être en équilibre parce que il y a une manifestation culturelle qu'on appelle ici livre en folie. Mm-hmm. Donc, livre en folie, il faut toujours être présente, sinon on se fait oublier. Oui, donc, c'est ça. Je suis mise dans la machine et j'ai produit mes 9 livres. Mais c'est après, plus ou moins, arrivé au 7e livre, je me suis dit non. L'art était là avant les livres. Si je me laisse aller ainsi, donc là, je ne vais vraiment pas me reconnecter avec l'art. Je m'amuse à la maison, mais je ne veux plus rester au stade d'amusement à la maison. Je veux produire quelque chose pour le public. Et c'est comme ça que j'ai arrêté d'écrire pendant 1 an et demi ou 2 à peu près, parce que quand on veut commencer quelque chose, on ne peut pas courir 2 poules à la fois. Donc, il fallait que j'arrête l'écriture. Là, j'ai été prendre des leçons, parce que je ne peux pas dire que je sois très perfectionniste, mais j'aime le côté professionnel des choses. Ce n'est pas ce que j'avais appris en Espagne, ce n'est pas ce que j'avais appris à la faculté, à l'ENARS en 84, quand je suis revenue en Haïti, que je vais carrément me mettre face à un public trop critique le plus souvent. Donc, je me suis dit, bon, là, je vais recommencer. Là, j'ai été chez 2 grands maîtres, Raphaël d'abord, chez qui j'ai recommencé, qui m'a décolboussé de mes mauvaises habitudes picturales. Oh, d'accord. Pour recommencer à nouveau. Pour me donner vraiment ce qu'on appelle l'essence de l'art. Oui, et oui. Comme je prenais des leçons dans le temps aussi, quand j'étais revenue en Haïti avec Richard Barbeau, je me suis fait un petit peu débosseler par ces 2 grands maîtres. Et c'est comme ça que j'ai présenté ma première exposition de peinture et en groupe. Et une exposition qui avait eu du succès parce que nous étions un groupe et j'avais participé à ce groupe-là. Et cette exposition-là, c'était où? Cette exposition, c'était au lycée de Pétionville. C'était une manifestation culturelle où il y avait vente de livres, il y avait exposition de tableaux, il y avait conférence d'Arnold Antonin, de Franck Etienne, de tout. Donc, ça avait vraiment donné du mouvement et ça avait incité les médias et c'est pour ça qu'on a écrit un bel article sur notre groupe dans le domaine de l'art parce qu'il y avait plusieurs secteurs dans cette manifestation culturelle. Tu as mis les livres de côté et l'écriture de côté pour travailler et puis cette exposition, il y avait les écrivains et les artistes. Et comme tu as dit que ton art, tu as recommencé parce que tu étais resté quand tu as dû reprendre pour l'examen, Je dis toujours à mes enfants que quand on rate quelque chose, quand quelque chose arrive qui n'est pas aussi comme on l'espérait, qui ne s'est pas passé comme on l'espérait, il y a toujours un cadeau. Et c'était le cadeau pour toi. À cause de que tu avais tant de temps à revendre,
Donc, tu as recommencé à ton art à cause de ça. Non seulement tu as raison, mais aussi pour les livres, c'est exactement c'est la même chose. Je ne pensais pas écrire et je ne pensais pas devenir écrivain. C'est justement, mes ailes ont été cassées, comme je dis, avec l'art. Je voulais faire une exposition, j'avais déjà préparé 30 tableaux et je suis partie à Miami pour le faire. Là, on est en 1992. Et mon exposition a été ratée. Pourquoi? Mes tableaux étaient dans une malle et on a tout volé à l'aéroport. Oh, et c'est comme ça que pour te joindre dans ce que tu dis, quand quelque chose arrive, tu n'es pas sans raison. Et c'est comme ça, à force, au début, on pleure, on est découragé. Oui. Oui, oui, et mon mari me dit, une personne aussi positive que toi, toi qui as un tiroir rempli de trucs sur le savoir-vivre, parce que c'est une autre de ses passions, pourquoi tu ne te mets pas à écrire? Au début, je n'ai pas écouté. Parce que j'étais toujours fâchée de mes tableaux. Oui. Et c'est comme ça, une bonne soirée, au milieu de la nuit, je me suis dit, mais et si c'était la voix d'un ange qui parlait, qui lui a dit de me dire ça? Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire et j'ai produit toute la collection pour laquelle on me connaît maintenant. Et donc, ce que je viens de dire, si je n'avais pas perdu ces tableaux-là, je ne me serais jamais même connue comme écrivain parce que je ne savais pas que j'avais ça en moi. Tu n'avais aucune intention d'écrire. Et c'est après cette coupure que je... Donc, maintenant, si là, je l'ai laissé, j'ai repris l'âme, simplement dans les conditions que je t'ai dit. Et puis maintenant, mes ailes se sont cassées. Et c'est comme ça que j'ai été dans la collection « Dis-moi comment recevoir les... » qui sont les manuels de l'étiquette et du protocole. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça aussi qu'arrivé sur mon 7e livre, je me suis dit, quand je devrais partir, comme tout le monde doit partir un jour vers l'univers, Dieu m'enverra sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il va dire, il y a un talent que j'ai, je n'ai pas développé. Et c'est à partir de ce raisonnement-là que j'ai cessé d'écrire et je me suis mise à la peinture. Mais comme tu comprendras, quand on, si on croit dans la réincarnation, quand je reviendrai sur Terre, je peux revenir dans un autre corps. J'aurais aimé exploiter la peinture dans ce corps-là que je connais. Mais on n'a aucun contrôle là-dessus, hein? On n'a aucun contrôle, mais c'était mon vœu, et comme c'était mon vœu, je me suis dit, bon, je vais développer ce talent-là dans ce corps, et puis le reste, je m'en fous. L'univers s'en occupe. L'univers s'en occupe. Et tu as et les livres que tu as écrits, dis-moi comment recevoir. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à aborder ce sujet-là dans tes livres? Ce sujet d'étiquette, de protocole et tout? Ce sujet d'abord, je dois te dire que ma mère est hôtelière. Donc, élevée dans une ambiance où je voyais toujours des choses qui m'expliquaient. Je lisais toujours des choses que, par exemple, comment s'est développé un cocktail, c'est avec un capon. Et il fallait servir le cocktail dans la tasse pour camoufler l'alcool. Parce que, à cette époque-là, l'alcool, c'était comme la drogue. Savais pas. Oui, oui, parce que dans les années 20, quand on pourchassait Al Capone, maintenant on pourchasse les drogues, les personnes qui vendent de la drogue, mais dans les années 20, c'était l'alcool. C'est après Al Capone que l'alcool s'est libéralisé. Et maintenant, on prend un verre. Et, et celui qui a combattu Capone, et qui a finalement envoyé Capone en prison, quand on lui a dit, maintenant vous n'avez plus de travail, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, parce que l'alcool s'est légalisé, il a dit, je vais prendre un verre. Et la petite histoire rapporte qu'il est mort alcoolique. Oh. Donc il a combattu Capone et l'a envoyé en prison. C'est ce que rapporte la petite histoire. Ah, donc, là. Finalement, il y a un monde tellement fascinant. Et puis, c'est comme ça aussi, je me suis dit, mais les comportements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand je viens en Haïti, je remarque qu'il y a un manque de comportement grandiose. Parce qu'il y a un, sans même parler de la finesse, on peut dire, si je suis aux États-Unis, c'est quand quelqu'un me dit sorry,
je remarque que parfois je ne sens même pas la personne m'a frappé. Et la personne me dit sorry. C'est alors que je me suis dit c'est sorry. Et je réalise que la personne m'a frappé. Ici en Haïti, la personne vous frappe et vous regarde comme si de rien n'était. Je me suis dit non, il faut écrire des livres. Ça m'est arrivé aussi que c'est parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Bon, ils ont d'autres préoccupations. Ils ont d'autres, je ne dirais même pas d'occupation, ils ont d'autres. Donc, préoccupation. Ils ont d'autres préoccupations, il y a d'autres vibrations. C'est comme, par exemple, je peux être souriante, mais est-ce que le policier dans la rue qui fait la circulation sous le soleil peut être aussi souriant que moi? Non. Donc, vous voyez, parce qu'il a d'autres vibrations, parce qu'il vit d'autres réalités. Donc, ici, depuis plus de 30 ans, nous vivons une réalité politique qui donne du stress. C'est un sauf qui peut depuis plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une Suisse qui vit dans ce pays où tout est calme, où tout est beau, où, comme je dis toujours, même les kiosques en Suisse n'ont pas de vendeurs. Regardez un livre qu'ils ont fait, vous achetez un journal, vous savez que vous devez déposer l'argent. Quelle différence? C'est ça, c'est d'autres réalités. Oui. Donc maintenant, à partir de ces réalités-là, par contre, il y a un déclic. Je me suis dit, bon, des livres de savoir-vivre seraient peut-être bien. Mais les livres de savoir-vivre sont vieux comme la nuit, depuis la nuit des temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre beaucoup de photos dans les miens parce que je vis dans une société qui n'aime pas lire. Donc une photo vaut mille mots. Et le succès. Le livre est venu à partir du point que mes livres sont très illustrés. Mais tu sais, je pense aussi que la société haïtienne, moi je me souviens, j'ai grandi en Haïti et quand j'étais à l'école, on lisait beaucoup. Toutes les semaines, on va à la bibliothèque à l'école. On pouvait garder le livre pour une semaine et la semaine suivante, on retourne le livre pour prendre un autre livre. Et ce qu'on avait l'habitude de faire, je me souviens que j'avais l'habitude, moi et mes amis à l'école, on avait l'habitude de terminer le livre en un jour. Et puis, on échange entre nous. Donc, au lieu de livre, la prochaine. Parce qu'on peut pas attendre jusqu'à la semaine prochaine pour avoir un livre. Au lieu d'attendre, on échange. Et puis, en une semaine, c'est possible qu'on ait lu 5 livres. Mais je ne dormais pas, je me souviens que ma tante que j'appelle ma mère avait l'habitude de nous voir et elle disait vous devez éteindre la lumière, allez dormir, mais je devais retourner le livre le lendemain matin à mon amie à l'école. Donc, mais aussi je pense que comme on le sait en Haïti, il y a tellement, et la majorité du peuple est illettrée. Donc, il y a des personnes qui aimeraient bien lire, mais ils ne le peuvent pas. Ils ne savent pas comment. Et puis aussi, les personnes qui n'aiment pas lire, c'est une manque d'éducation dans l'importance qu'il y a de la lecture. Et aussi, avoir les illustrations comme tu as fait, c'est une façon de les captiver. C'est ça. Qui est très bien. Qui est très, très bien, très intelligent. Très bien, très bien. Parce qu'il existait déjà. Il y a des choses que j'actualise d'après mes réalités. Vous voyez? Donc, mes réalités, c'est des choses quotidiennes que nous vivons, que nous ne trouvons pas dans d'autres livres, mais comme je suis haïtienne et je travaille dans le domaine, il faut bien le mentionner. Donc, ce sont des petites réalités haïtiennes que je mets. Mais cependant, en gros, les sujets ont déjà été élaborés, donc il fallait trouver quelque chose qui puisse captiver les gens. Oui, c'est comme l'un de mes coachs, ils disent toujours « there is no new antique ». Tout ce qu'on voit, c'était déjà là maintenant, c'était déjà créé. Parfois, on prend le sujet et on refait ça pour l'aborder et dans une façon pour la génération d'aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre. Mais c'est ça. Il faut, c'est comme par exemple le savoir-vivre. Cela soit
au fait, les notions n'ont pas vraiment changé, mais s'actualisent avec les nouvelles réalités. C'est comme, par exemple, l'autre jour, je regardais une vidéo où il y avait un masque et on disait, on ne met pas le masque sur la table. Le masque se met dans son sac à main ou sur la chaise d'à côté. Mais avant, on ne trouvera pas ça dans aucun livre. Oui, on n'avait pas de masque. Cette réalité n'existait pas. Oui, c'est ça, c'est ça. On doit s'adapter à la réalité qu'on vit. C'est ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut s'adapter. Et les romans que tu as écrit deux romans? Trois romans. Trois romans, ok, je m'excuse. Trois romans. Et le nom des romans, je sais qu'il y a et La mère patrie, chérie. C'est non, Les infidèles, c'est le premier roman. Okay. Un roman que j'ai sorti près de 7 ans après que j'ai travaillé ce roman-là. Parce que j'ai écrit le roman il y a peut-être 7 ans. Mais les dimanches m'ont pris tellement d'ampleur que finalement j'ai sorti le roman qui a été écrit avant les dimanches comment. Et on m'a connue comme dame de 10 mois comment. Et puis, c'est une année que je me suis dit, bon, et à Livre en folie, je n'aurai pas le temps de sortir un 10 mois comment, parce que les 10 mois comment, c'est beaucoup d'années de recherche avant vraiment de sortir et d'accoucher son bébé là. Donc, je me suis dit, bon, cette année, je vais présenter ce livre que j'ai écrit il y a 7 ans. Et c'est comme ça que j'ai sorti Les Infidèles. Après, j'ai sorti un recueil de nouvelles qui sont toujours des petites réalités, même si c'est une histoire d'amour, mais c'est sur fond de réalité haïtienne. D'accord. Et puis après, Les Limites de l'Infini. Les Limites de l'Infini aussi, c'est une histoire d'amour sur fond politique, sur fond de problèmes politiques haïtiens. Okay. Donc, c'est le problème qu'on vit depuis 2000. Problème, même une histoire d'amour en futur. OK, d'accord. Et La mère patrie chérie, c'est quoi? C'est à quel sujet? C'est un recueil de nouvelles. Il y a 12 petites histoires. Oh là là! 12 petites histoires. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, parce que le roman est trop long, alors là, il y a La mère patrie chérie. Ce sont des petites histoires de 6 pages, de 8 pages, de 12 pages. Mais on peut les lire indépendamment. On n'a pas besoin d'avoir une suite de lecture. Oh, c'est bien, c'est bien. OK. C'est comme mon fils. J'ai mon fils qui... J'adore lire et bien sûr, il aimerait avoir la passion de lire aussi. Donc, ce qu'il fait, je lui dis ça, je lui dis, tu n'es pas obligé d'être comme maman, tu dois lire comme tu peux. Si tu peux lire un chapitre, si tu peux lire pour 20 minutes, tu n'as qu'à le faire, mais tu n'as pas obligé d'être comme quelqu'un d'autre. Tu n'as que faire ce que tu peux faire pour toi. Mais c'est bien de lire, c'est vraiment bien de lire. On a absolument. Il faut lui inculquer des techniques. C'est comme, par exemple, une fois, j'avais une Bible, la Bible de Louis II, et je l'ai achetée pendant des années. Mais avant de laisser l'Espagne, j'avais aussi acheté un gros livre de la même dimension, c'est Don Quichotte, la fameuse histoire classique espagnole. Mm-hmm. Et puis, comment je vais arriver à lire Don Quichotte et ce livre-là de la Bible? C'est une dame avec laquelle je travaille, je lui dis, comment on fait pour lire un gros livre comme ça? Elle m'a dit, mais si tu lis une page et demie de la Bible chaque jour, tu finis de lire dans un an et demi. Donc, si on a cette technique et puis on trouve que rapidement une page et demie par jour, ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Et on finit dans un an et demi. Donc, comme je dis toujours, grimpe la montagne, ne la regardez pas. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est vrai. Une étape à la fois, une Absolument. Page à la fois, un chapitre, un paragraphe à la fois. Si on regarde le beau livre, on aura peur. On va penser, je ne vais jamais terminer avec ce livre-là. Absolument. C'est vrai, tu as entièrement raison, entièrement raison. Et puis, donc, tu es la mère de Raquel. Je voulais te dire mes compliments pour ce que Raquel a créé là, parce qu'elle était runner-up, et c'est quelle année, Miss? C'était en 2017, et puis c'est pas quelque chose qu'elle était préparée dès son jeune âge, donc elle est arrivée, c'est ça? Au fait, elle le voulait dans son cœur depuis longtemps, mais okay. C'est moi.
Okay. Je ne voulais pas parce que, comme je lui dis, elle voulait depuis qu'elle avait 16 ans. Je lui dis, écoute, les études d'abord. Et chaque année, c'était les études d'abord. Et puis maintenant, une fois qu'elle s'est diplômée, elle dit les études. C'est elle qui me dit, maintenant, je vais les études d'abord. Maintenant, je n'ai plus rien. Tu n'as plus rien à dire. Oui, oui. C'est... Elle a fini sa maîtrise. Si elle veut se lancer. Oui. On va la laisser faire son expérience. Même si elle n'avait pas réussi, elle n'était même pas arrivée là où elle était, elle aurait acquis, on acquiert toujours quelque chose. Elle serait peut-être moins timide, plus audacieuse, parce que parler devant un public de 12 000 personnes, c'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Mais les choses, comme je lui ai dit, se sont faites graduellement, si tu te rends compte. Parce que la dernière année d'université, on t'a envoyé en Portugal dans un congrès. Ton université t'a envoyé dans un congrès où tu étais le chef de groupe. Et comme c'est toi qui maîtrisais l'anglais mieux que les Espagnols, tu as dû parler devant 400 personnes pour la première fois. Et donc, parler devant 12 000 n'était rien. Tu as monté les escaliers. Donc, finalement, on mûrit peu à peu, sans s'en rendre compte. Mais quand on est un fruit vert, il faut attendre de mûrir pour qu'on soit mieux apprécié. Et oui. C'est ce qu'elle a fait. Tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est, et j'ai entendu la même chose de Wayne Dyer, c'est un écrivain, il n'est plus avec nous, et il y a Steve Jobs aussi qui avait dit la même chose. Quand on prend les étapes, on ne se rend pas compte que qu'on poursuit un chemin, mais c'est quand on est arrivé au sommet, et puis on y pense, on voit, oh mon Dieu, mais ça m'a aidé. Il y a le cheminement, c'est ça. Oui, c'est ça, ça c'est accumulé, toutes les étapes. C'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, même si elle n'était pas arrivée comme runner-up, elle aurait appris tant de choses qu'elle n'aurait pas pu recevoir dans sa vie de tous les jours. Comme dit Mandela, on ne perd jamais. On gagne finalement. On gagne. On n'arrive pas là où on veut, on gagne quelque chose. Oui, et ça on ne perd jamais. On apprend toujours quelque chose, donc on est gagnant. Absolument. Donc on apprend toujours quelque chose, on ne perd jamais. Mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais cesser de travailler parce que, comme je dis toujours, le travail n'est jamais perdu. Mm-hmm. S'il n'y avait pas Martin Luther King, Obama n'aurait même pas osé penser se présenter à la présidence. Donc, absolument. Donc, il y a toujours un cheminement. Absolument, absolument. La première femme noire qui a essayé d'être, qui avait mis sa candidature pour comme président des États-Unis, je me souviens pas de son prénom, je pense que son nom de famille, c'était, oh là là, et ça, je ne la connaissais même pas. J'ai entendu parler de Martin Luther King, mais on n'avait jamais entendu parler d'elle parce que malgré qu'elle était une femme et était noire, on n'a jamais parlé de lui. Donc c'est à cause de Martin Luther King et tous les autres qui ont aidé que Obama a pu. Absolument. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais cesser de travailler. Ouais. C'est ça. Réussit pas, mais la génération future. On travaille pour la génération future, parce que la génération, il faut impacter. Et si on n'impacte pas son présent, le futur ne va pas suivre ce que vous avez dit. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai trouvé son nom, Shirley Chisholm. Pardon? Shirley Chris, I don't know how to pronounce the name, Chisholm. That was the first Black American female that was a U.S. candidate for president. Regarde, and talk about her. On ne parle même pas d'elle. Mais l'essentiel, je te remercie pour l'information parce qu'une fois la réunion terminée, je vais enrichir ma culture. Bon, ça fait plaisir. J'apprends de toi et tu apprends de moi. Ça fait plaisir. C'est pour ça que j'adore cette conversation-là. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et donc, après, je te félicite. Me félicite.
Je te félicite parce que tu fais un beau travail. Oh, je te remercie. C'est tout un plaisir, c'est tout un plaisir. Ça fait longtemps que j'ai laissé Haïti et j'aimerais bien, quand je dis que j'aimerais bien que le récit, la perception, ça c'est pas français. C'est ça, la perception. OK. J'hésite parfois parce que je dois chercher mes mots en français. La perception du monde envers Haïti, c'est vraiment quelque chose que c'est à nous de changer ça. On ne peut pas attendre que le monde s'en occupe, c'est à nous de changer ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Donc, j'apprécie la réponse que j'ai reçue de mes compatriotes. Vraiment, j'apprécie ça beaucoup. Donc, je te remercie d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Vraiment gentil. Et où est-ce qu'on peut trouver ton art et tes livres si quelqu'un a l'intention d'acheter? Bon, mes livres en général, c'est en Haïti. Bon, à la fin du mois de mai, on aura cette fameuse manifestation culturelle. Donc, si vous entrez sur unibank.com ou bien livreenfolie.com, on va pouvoir les acheter sur le net. Donc là, c'est la Unibank et puis comment dit-on ça, la grande industrie de livres en folie qui s'en occupe. Je ne sais pas quand on achète sur le net, si, comment on les envoie. Mais comme je t'ai dit, le DHL ici est tellement cher que je n'ai pas mis sur Amazon parce que ce ne serait pas une affaire. Mais je ne sais pas. Mais très prochainement, à la fin du mois de mai, à travers cette manifestation culturelle, il y a une vente sur Internet organisée parce que depuis le corona, depuis 2 ans, il n'y a pas de manifestation en plein air. Donc, on trouvera sur le net. Donc, après, dans toutes les librairies du Congrès, c'est aussi 2 mois. Souvent, D'accord. les gens qui rentrent et qui ont mon téléphone me contactent Et et oui, achètent. tu as une page de Facebook aussi, on peut toujours t'envoyer un message. Puis, juste sur Facebook, justement, au fait, je dois réactiver ma page. J'ai une page, dis-moi comment, mais au fait, je laisse tellement dans les librairies de Port-au-Prince que je OK. n'active pas. Je pense que je dois réactiver ma page. Donc, mais pour le moment, c'est dans les librairies et puis à la fin du mois de mai, il y aura, et c'est unibank.com, c'est ça? C'est ça, Unibank Haïti, livrefolie.com, tout ça. Bon, en fait, on n'a qu'à cliquer sur Google, livrefolie Haïti, on va trouver tous les sites. OK, livre en folie Haïti et puis on va trouver. Et OK, et pour tes peintures, c'est où? La peinture, c'est moi. OK, si quelqu'un est intéressé, tu les vends. Absolument. Dans les expositions, oui, c'est toujours des expositions ventes. Et ici aussi, et à l'étranger, ce sont des expositions ventes. Oui, tu m'as parlé de. Il y avait une exposition que tu as été, c'était avec un groupe d'artistes. Tu as été au château d'Aramon en Verberie, en France, c'est ça? C'était la première exposition. OK. Nous sommes partis en groupe et je pense que c'était une exposition réussie parce que le château d'Aramon, c'est la mairie de la ville. C'est un grand château, mais c'est tellement beau qu'on a transformé en mairie de la ville. Donc, on peut dire qu'on a exposé au château d'Aramon, qui est la mairie, et le maire. Après, on avait sorti un article sur le groupe, donc je pense qu'un article très favorable, que c'était très positif. C'est Et puis bien. après, l'année d'après, on est encore au parti en France sur une exposition. Et l'autre année encore, je pense que le groupe avait été au Maroc. Mais moi, je n'avais pas été au Maroc, j'avais envoyé mes tableaux. Parce qu'on peut exposer de deux manières. On peut être présent, on peut ne pas être présent, et ces tableaux sont présents. Et c'est dans ce D'accord. sens-là qu'on a exposé à Pennsylvanie. OK. Et à travers, mais je n'ai jamais été à Pennsylvanie, j'envoie les tableaux, je participe à des expositions. OK, mais tu n'es pas obligé de Je ne voyager. vais pas être obligée de voyager si les conditions ne sont pas favorables. D'accord. Oui, bien sûr, je comprends. OK. Et pour on va parler du groupe dont tu fais partie aussi. Donc, tu es membre de notre groupe. Et ce que j'aime demander à chaque fois que j'ai une conversation candide comme ça, j'aime demander à mon invité, que pensez-vous du groupe? Que penses-tu du groupe? Et comment on puisse faire pour qu'on puisse s'épanouir
Je cherche mes mots pour qu'on puisse s'épanouir et pour que qu'on puisse faire de meilleures représentations ou quoi? Non, pour qu'on puisse avancer vers le but, l'objectif qu'on a, qui est de changer et le récit, la perception d'Haïti que le monde a en Haïti. Donc, que penses-tu du groupe? Première question. Et que peut-on faire pour continuer à avancer vers l'objectif? C'est ce que je voulais dire. Au fait, le groupe, je le trouve super et j'ai été très contente d'être membre du groupe. Quoique ce n'est que récemment, mais j'apprécie quand même que je suis une parcelle de l'univers. On m'a trouvé, on m'a mis dans un groupe. Je dois apprécier. Ça, c'est la première des choses. Mais je remercie aussi pour le travail parce que normalement, la perception d'Haïti devrait être de tous les Haïtiens. Mais si tous les Haïtiens n'arrivent pas à se mettre ensemble, on peut toujours, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'il y a on fait de la peinture en Haïti, qu'il y a des écrivains, qu'il y a des personnes qui prennent un cours de protocole, qu'il y a des banquiers, parce qu'ils pensent que l'image qu'ils voient d'Haïti, ce n'est que des personnes qui brûlent les pneus. Tout comme il fut un temps à Saint-Domingue, les Dominicains pensaient que les Haïtiens n'étaient que des coupeurs de canne. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on leur vendait et ils n'avaient pas une autre personne comme vous qui les vend une autre réalité pour dire non, les Haïtiens ne sont pas seulement des vendeurs de canne, des coupeurs de canne. Il y a des Haïtiens intellectuels, il y a une société comme partout dans le monde, oui, avec une couche sociale. À plusieurs niveaux, vous comprenez? Oui. Donc, eux, ils ne voyaient que ça. Donc, il est important de vendre l'image de son pays et de montrer ce que nous avons au pays. Oui. Et c'est ce travail-là que vous faites. Oui, et c'est, merci. Et c'est toujours tous ceux qui le font parce que, au fait, quand nous nous faisons, nous partons aussi, c'est la même chose que nous faisons. Parce que on ne pense pas qu'il y a... Il y a certaines choses, quand vous rencontrez des étrangers, ils ne pensaient pas qu'il y avait des gens de niveau en Haïti. « Ah bon, vous êtes haïtien ?» Et ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il y a d'étonné? Qu'est-ce qu'il y a pour étonner des ça gens? Ça me dérange. Non, mais... Et tu sais quoi? Tu sais, je suis... Ce que je vais te dire, là, m'a attristé, m'a rendu triste. Je suis dans l'immobilier. Et je vends les maisons et résidentielles et commerces. Est-ce qu'on dit commercial ou bien commercial? Donc, je dois penser parce que, ok. Donc, j'ai une dame, je me souviens, que j'avais rencontrée, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, que j'avais aidé à acheter une maison, m'avait envoyé quelque chose. D'ordinaire, c'est comme ça que je reçois des clientes. Si la personne est satisfaite, elles vont dire, appelle Isabelle, elle pourra t'aider aussi parce que je suis très satisfaite de ses services, de son service. Et la dame, quand je l'ai rencontrée, elle est haïtienne. Elle est mariée à un haïtien. Et quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit, elle m'a dit que elle a été étonnée que j'étais haïtienne. Et elle est haïtienne. Elle ne connaît pas l'autre. Elle m'a dit ça, je me suis dit, mais comment puisses-tu dire ça? Haïti a tant... On est comme, comment dirais-je? Je veux pas dire un arc-en-ciel, mais c'est il y a... Les Haïtiens sont différents à tout niveau et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment rendu triste. Et je lui ai dit, ne dis jamais plus ça. Ne dis jamais, ne pense plus jamais comme ça. Parce que quand quelqu'un qui n'est pas haïtien me le dit, ça m'ennuie. Mais toi, comme haïtienne, ça me rend triste. Parce que tu ne connais pas ton peuple. Et tu dois apprendre à connaître ton peuple. Tu ne connais pas ton peuple. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, mais oui, je comprends ce que tu dis, mais ta façon, comme tu y es. Je lui ai dit, mais je suis comme toi, je suis haïtienne comme toi. Mais non, je ne veux pas dire plus de la conversation parce qu'on a eu à avoir une
conversation assez longue pour parce que j'essaie de changer sa perception de des Haïtiens et elle est haïtienne. Je sais pas comment combien d'années qu'elle a aux États-Unis. Je ne pense pas que je lui avais demandé, mais on a eu une conversation assez longue. Donc, et quand elle m'a dit ça, j'ai finalement compris pourquoi d'autres personnes peuvent le dire aussi. Parce que si une Haïtienne le dit, donc un étranger peut le dire aussi. Et c'est parce que les deux, et c'est une question d'ignorance vraiment. C'est une question d'ignorance. Parce que je lui ai dit, j'ai grandi en Haïti, je suis née en Haïti, je suis haïtienne. J'habite aux États-Unis, mais maintenant je suis Haitian American, mais je suis haïtienne d'abord. Donc c'est ce que tu as dit vraiment, et c'est totalement, ça arrive toujours. Bon, en fait, normalement, nous vivons dans un monde où l'ignorance prime, quand je parle à niveau planétaire. Donc, ce qui revient à dire, si on a déjà l'ignorance, par exemple, moi, à l'université, souvent, des universitaires, des personnes de ma faculté me disaient, où se trouve Haïti? Alors, on peut dire, ce sont des universitaires, ils ne savent pas. Mais, c'est pas ce qu'on leur montre. On ne parle pas d'Haïti. Donc, vous voyez, c'est comme, par exemple, nous avons combattu l'armée et française, nous avons pris notre indépendance. Mais cependant, vous pensez qu'en France, c'est ce qu'on apprend aux enfants? Il y a des professeurs de ma fille qui me disent, c'est en arrivant en Haïti qu'ils ont su que, comment ils s'appellent, que Alexandre Dumas est un homme de la colonie. Parce qu'on n'apprend pas ça aux enfants. Au contraire, comme c'est quelqu'un qui a réussi, on le fait passer comme français. Donc, ce n'est pas l'image d'Haïti qu'ils vont rehausser. Donc, c'est on change l'histoire. Donc, ce que vous venez à dire, c'est à nous de travailler l'image et de vendre une autre image. Une autre image. C'est ce que vous faites. C'est ce que j'espère faire. Oui, c'est ça. C'est ce que j'espère faire. Parce que cela m'ennuie beaucoup. Cela m'ennuie beaucoup que le monde ne sache pas qui nous sommes. C'est ça. Cela m'ennuie beaucoup. Quand vous le faites, parce que normalement, à niveau personnel, on n'écoute jamais. Par exemple, moi, je peux être dans quelque part et puis on ne m'écoute pas. Mais une fois que je monte à la télé, ah, je vois, tu étais à la télé, tu as dit telle chose. Les mêmes choses que je pourrais dire dans un salon qui pourrait peut-être être banal pour quelqu'un, mais quand je le dis à la télé, ils ont une autre perception. Ça a une ampleur. Une ampleur. Ils vous voient autrement parce que vous êtes à la télé, ils ne sont pas, c'est là qu'ils donnent une valeur. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est prophète dans son pays. Donc, il faut prendre une autre dimension pour que l'on soit perçu. Oui, c'est ça. C'est bien. Je te remercie vraiment de la façon dont tu vois et notre page, notre groupe. Et que puisse-t-on faire pour continuer à... Ça va? Oui, ça va, je regarde. Je vais voir s'il y a une autre lumière que l'on peut mettre parce que c'est un petit peu sombre. Alors, ça, il devient sombre un peu, oui. Il est 7 heures, oui, il va... J'ai allumé une autre. Oh, c'est OK. Ça va aider. Oui, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc, et on a presque terminé aussi. C'est une très bonne conversation qu'on a, mais on doit terminer quand même. Absolument, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ça. Et donc, et que puisse-t-on faire pour avancer et vers l'objectif qu'on a? Bon, pour avancer, il faut continuer à travailler. Malgré les problèmes que nous vivons, nous devons toujours penser qu'au bout du tunnel, il y a une lumière. Parce que sinon, nous laissons sombrer, eh bien, il n'y a plus de vie. Mais comme la vie doit continuer, malgré, par exemple, actuellement, les problèmes que nous vivons en Haïti, on peut choisir de rester, de travailler, on peut choisir aussi de partir. Mais ceux qui partent, ils ont leurs problèmes. Ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais ceux qui ne partent pas, ils ont aussi d'autres réalités. Peut-être qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de résidence, ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Mais si vous n'avez pas d'autre choix que de rester,
là, il faut lutter, parce que Victor Hugo a dit, ceux qui vivent, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Si vous ne luttez pas, c'est comme si vous ne vivez pas. Ouais. Ceux qui reviennent. Et à force de lutter, on ne sait pas quel résultat on aura. Donc, il faut continuer à travailler. Oui, je parlais à un ami et ce week-end et il m'avait dit, tu sais, cette chose-là avec Haïti, j'en ai marre. Et je lui ai dit, c'est exactement ça, on ne peut pas et abandonner parce que pour le moment, on ne voit pas la voie, on ne voit pas l'ouverture, mais on doit continuer parce qu'il y a toujours une ouverture, mais on pourra seulement la trouver quand on continue à lutter, comme tu viens de dire. Et comme Mandela a dit, comme pour tu viens de mentionner Mandela aussi, Mandela a dit ça. Quand il était en prison et regarde ce qui se passe. Mais il est sorti de prison, il est devenu président. Président. Donc président. Il aurait cru. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Cultiver le travail et l'amélioration de son pays. Exactement. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit que tout paraît impossible. Oh, j'essaie de traduire. Je vais dire ça en anglais. It always seems impossible until it's done. Exactement. Jusqu'à ce que ce soit fait. Bien sûr. C'est pour cela qu'il faut croire en quelque chose. Ouais. Si on ne croit pas en quelque chose, on ne va pas avancer. On a cru. Si on n'avait pas cru, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui a pensé qu'un jour, qu'il y aurait une technologie qui nous permettrait de faire. Mais cette personne qui a pensé n'est pas forcément cette personne qui l'a réalisé. Donc, ouais, il y a ça aussi. C'est ça, c'est comme les frères White. Ils ont, comment dit-on ça, ils ont même apparu sur des thèmes. Ils ont fait le premier avion volé. Le premier engin qu'on appelle avion volé, mais il y a eu au moins 100 ans d'études avant que cet avion vole. Les personnes qui ont passé les 100 ans à faire des études, nous ne les connaissons pas. Exactement. Totalement. Entièrement d'accord. Donc, il faut apprécier les frères White, mais il faut apprécier aussi ceux qui, en amont, ont fait toutes ces expériences pour que les frères White puissent arriver à ce but-là. Absolument. C'est la même chose comme on disait pour Obama. S'il n'y a pas fait pas Martin Luther King, il n'y aurait pas Obama. C'est la même chose. Il y a toujours... Et Maya Angelou a un poème. Et le poème... J'adore les poèmes. Et le poème, c'est « From My Grandmothers ». Et dans ce poème-là, je dois dire ça en anglais. Elle dit que « I come as one, but I stand, that's not the word she said. So I'm not quoting her, I'm going to paraphrase then. I come as one, but I stand on 10,000. All those who came before me, my grandmothers. Absolument. I just love that poem so much. J'adore, j'aime bien. Et donc, pour conclure, je vais te poser 3 questions. Et les 2 premières, on doit en parler une autre fois parce qu'on j'allais te demander quelque chose d'autre. Quoi? Toujours à ta disposition. D'accord, on pourra avoir une autre conversation. Merci, je te remercie, Magali. Et donc, et que penses-tu d'Haïti? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donne-moi un mot pour décrire la vie et ta vie, ou bien un mot pour décrire la vie. La vie, un seul mot, je dirais la positivité. Positivité. D'accord. Et un mot pour décrire Haïti. Je dirais une perle perdue. Mais que l'on peut retrouver. Là, ce n'est pas un mot. That hurts. Mais que l'on peut retrouver. Si nos cœurs vibrent pour le bien-être et la lumière. Ouais.
notre perle est là. Notre perle, ça va changer. Ça doit changer. Pas un prière, pas un amen, pour que vous dites. Non, c'est ça. Mais quand je dis perle, je dis vraiment perle, mais pas dans le sens des étrangers de la colonie. Non? Mm-hmm. Parce que vous savez que Haïti était devenue perle des Antilles, parce que Haïti était la colonie qui rapportait le plus à la le plus. Oui, donc, oui. Comme perle, moi, je dis perle comme une chose merveilleuse. Parce que là, je ne parle pas comme les blancs de la colonie, comme je dis. Parce mm-hmm. que le mot perle, je peux l'utiliser comme je veux. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Et que peux-tu donner comme avis aux Haïtiens? Conseil, comme conseil. Quel conseil tu peux donner aux Haïtiens? Le conseil que je donnerais aux Haïtiens, ce serait de retourner et de mettre en eux leur symbole. L'union fait la force. Parce que c'est ce symbole qui a permis l'indépendance. Donc, l'individualisme que nous cultivons aujourd'hui ne va nous mener nulle part. Et c'est exactement ce qui cause la vie qu'il y a en Haïti pour le moment. Absolument. Parce qu'on n'a pas, on ne vit pas l'union fait la force. On le dit, mais on ne le vit pas. Absolument. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment une très bonne conversation. Je me sens un peu plus confortable avec le français. Tu m'as aidé, bien sûr. Merci. Tu m'as rendu la tâche assez facile. Merci. Et donc, je vais mettre les sites je vais chercher ça, les sites pour retrouver tes livres. Je vais mettre ça sur la page. Et puis, passe une bonne soirée. Merci encore.